Salut, c'est Pierre pour mon coach de sax. Aujourd'hui, on va voir comment jouer un standard de jazz qui reste quand même relativement facile à jouer quand on débute le saxophone, c'est parfait. Donc ce morceau s'appelle Killer Joe, il a été composé par Benny Golson. Donc j'ai commencé par filmer mes doigts en mettant les jambes de chaque note sur lesquelles j'appuie. Qu'est-ce que c'est? C'est un ré, un do, un mi. Et ensuite, je décortiquerai encore plus le morceau pour que tu puisses vraiment t'en imprégner et arriver à le jouer. Ça marche? Donc c'est parti. Donc si on décortique le morceau, on peut dire qu'il y a deux phrases véritablement. Donc la première phrase qui fait comme ça. Et la deuxième phrase, où on remonte à partir des graves. Donc là, ça fait Ré, Do dièse, Mi. Donc ça fait vraiment Ta, Ta, Ta. Et après, on refait pareil. Ça va faire avec le même rythme Ta, Ta, Ta. Mais en descendant cette fois. Donc cette fois, on va descendre, mais on garde toujours le même rythme. Et là, cette fois, on part du Do dièse. Et donc, ça va faire Do dièse, La, Sol. Ensuite, on recommence la première phrase qu'on a fait au début. Donc, Ré, Do, Mi. Et cette fois, on refait pas la deuxième phrase pareil, on refait. On refait la même phrase, la même première phrase en enlevant le ré. Donc au lieu de faire, on fait juste. Donc si on recommence depuis le début, ça fait. Donc pour la deuxième phrase, on va monter des graves aux aigus. Donc on va partir du Mi et il va y avoir un Ré dièse là. Donc le Ré dièse, hop, avec ça ici. Donc on part du Mi. Donc, Mi, Ré dièse.
Et après, on va faire que monter. Ensuite, on va faire Fa dièse Sol. Donc Mi, Ré dièse, Fa dièse Sol. Ensuite, ça va être La, Si bémol. Et ensuite, Do dièse. Donc on recommence. On peut les prendre deux par deux les notes. Donc Mi, Ré dièse. Ensuite Fa dièse Sol. Ensuite La, Si bémol. Et pour finir Do dièse. Voilà, donc si tu suis bien cette vidéo, tu pourras être capable de jouer Killer Joe de Benny Golson. Je te mets quand même le lien de son concert, donc le lien YouTube sous ma vidéo. Comme ça, tu pourras aller regarder, ça t'inspirera à jouer. Je te mets également le lien vers le karaoké de la chanson, comme ça, si tu veux t'entraîner, il n'y a aucun problème, tu peux le lancer directement. Si tu as la moindre question, j'y réponds avec plaisir, tu peux la laisser en dessous dans les commentaires. Et sinon, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!